Ce samedi 23 septembre 2023, Benjamin Duhamel est à nouveau aux commandes de BFM Politique sur BFM TV. Le journaliste, fils de journaliste connu, a dû à plusieurs reprises répondre aux accusations de piston qui le visent. À la télé, dans la musique, la mode, au cinéma, nombreux sont les enfants de stars à avoir tenté leur chance devant les caméras et sous les projecteurs, comme leurs illustres parents. Parmi eux, on compte un certain Benjamin Duhamel, journaliste à la tête de l'émission BFM Politique chaque samedi sur BFM TV, mais aussi CSTIP à tous les jours dimanche chaque fin de semaine où il remplace Jean-Baptiste Boursier, désormais sur LCI. Car ses parents à lui aussi sont connus et reconnus. Celui qui partage la vie d'une jolie brune est en effet né des amours de Nathalie Saint-Cricq et Patrice Duhamel, également papa d'Alexandré, chanteur d'opéra. Si est-il en 1995 que les deux journalistes ont donné naissance à leur fils Benjamin, qui suivra la même voie professionnelle qu'eux. Il fait d'ailleurs ses armes chez RTL, aux côtés de son oncle Alain Duhamel. En cette rentrée 2023, celui qui est passé de journaliste politique à présentateur d'émissions a été à plusieurs reprises interrogé dans les médias sur ses liens familiaux et le possible piston dont il a pu bénéficier. Notamment auprès de Télévision Mag, est-ce que d'avoir les parents que j'aime à aider dans le métier? Évidemment que oui. Ce serait indécent de considérer que je suis parti dans la vie des médias avec les mêmes chances que si mes parents ne travaillaient pas dans les médias, assume-t-il. Mais loin de lui l'idée de se reposer sur cet avantage de poids, même s'il est fier de porter son nom de famille. Après, mon objectif si est-il de montrer aux gens que je ne suis pas seulement fils d'eux, mais que je mérite la place que j'ai. Si est-il un travail de longue haleine. Quelques jours plus tôt, il répondait à nos confrères du Parisien pour expliquer sa promotion. Quand j'ai démarré dans ce milieu, je savais qu'il faudrait que je prouve que j'ai ma place, et je pense avoir réussi. Grandir dans cet univers m'a permis d'obtenir une grande culture politique, y compris de moments que je n'ai pas vécu, ce qui me vaut parfois d'être traité de jeune vieux. Mais ce n'est pas une tare d'être un Duhamel Saint-Cricq.